Aujourd'hui, jour 6, on est mardi. Je connais pas l'horaire exactement. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Michel? Aujourd'hui, on s'en va à Epcot Center toute la journée jusqu'au feu d'artifice. Puis on va souhaiter qu'il y ait des choses. Papa? On arrive à Epcot, puis là, la grosse boule, on voit derrière les feux. Et on fonce dedans. En Inde, en Floride. En Floride. C'est en France qu'on mange ce midi. Aujourd'hui, il fait chaud, hein Laurent? Oui. Il est su. Il dit qu'il est su, lui, mais il a 6 ans. Je suis pas sûr qu'il est su vraiment. Oh! Un bon voyage! Merci, super bon voyage! Au plaisir! Regarde la compagnie. Ok, là en fait, les beaux-parents s'en vont. Et les enfants, vous avez dit un grand merci à grand-papa et grand-maman? Oui! Les enfants finissent de manger. Puis là, c'est la première fois qu'on est à Disney puis qu'on doit gérer les 5. Il y en a qui m'ont demandé, hey, comment en fait les enfants, à date ça a très bien été, les enfants ils marchent derrière, ils suivent, on regarde un peu. Mais je dois avouer qu'il faut qu'on les compte une fois de temps en temps. Des fois, dans le passé, on fait juste d'un coup d'œil, clac, on voyait les 3, clac, on voyait les 4. Mais là, 5, en le 3, 4, 5, il faut les compter, d'aller on les regroupe parce que c'est pas d'un coup d'œil. Ok, fait que là, on va voir qu'est-ce que c'est Disney avec les 5, mais tout seul. Là, on s'apprête à voir quelque chose dont moi j'ai souvenir quand j'étais jeune puis je trouvais ça vraiment cool. Puis c'est... Ça c'est mes meilleurs souvenirs. Gamelo a fait splash. Bon, fait qu'après ça va être bien mouillé dehors, là on rentre à l'air climatisé, là, ça, mais là ça va être parfait pour elle, ça va bien aller. L'autre jour, elle était complètement détrempée, complètement gelée à l'intérieur, épique. Ben, je pense que jusqu'à présent, la meilleure journée, c'était la journée à Animal Kingdom. C'était vraiment une super journée. Là, on a perdu le bracelet de Paul. Fait qu'hier, on est venu ici. Un autre jour, on est venu. On avait bien aimé ça. Puis tout le monde a survécu. Fait que là, on retourne faire Spaceship Earth. Là, on s'en va voir Living with the Land. Selon mon souvenir, ça. Ça nous faisait passer à travers les serres, où est-ce qu'apparemment ils cultivent une partie de la bouffe qui
qui servent ici à Disney. Ça fait bien longtemps que je suis allé, mais je pense que c'est un petit bateau, quelque chose de même, puis on se promène, on va voir qu'est-ce qu'ils font dedans. Qu'est-ce que tu as trouvé, Laurent? Des trappes à souris! Il a des yeux pour ça, Laurent, il trouve toujours les trappes à souris partout ce qu'il y en a. Ils ont mis la hose en forme de Mickey, il faut le faire, tu sais. Qu'est-ce qu'on a dans ce coin-là? Les trappes à souris. Là aussi, il y en a. Là aussi, il y en a. Ouais. Growing system. Ce qui représente le Canada, c'est le Château Frontenac. Il vient une heure où est-ce que les enfants commencent à être moins du monde. Et peut-être les parents perdent un peu patience. Ben là, on va aller manger, se restaurer. Il y a les feux d'artifice tout après. Ça va être la fin de notre journée. Hey, hey, hey. Regarde le volcan derrière. Bon, ce soir, c'est là qu'on a mangé. Il y a un couple qui m'a arrêté, qui m'a demandé de prendre une photo de mon gilet. C'est Anna qui m'a acheté ça pour ma fête. Elle m'a envoyé ça directement ici à Disney, c'est arrivé dans un package Amazon. Elle a suivi le blog, elle m'a trouvé un chandail. T'es allé hier, toi, hein? Ouais. Hier, yeah, je l'avais jamais fait. Ah ouais, c'est tout nouveau. T'as aimé ça, toi, Laurent? Oui. Est-ce que ça faisait le feu? Ça pétait. Des lasers. Comme du feu qui montait dans mes ailes. Comme une fusée. Et des canards qui bloquaient. Ils sont encore là. C'est la terre à ces lasers. Sorry? On attend pour prendre l'autobus après les feux d'artifice. Il y a beaucoup de gens qui vont au même hôtel que nous. Et puis on se demande un peu comment on va faire parce qu'on a 3 des 5 enfants qui sont endormis. Et dans l'autobus, il faut plier la poussette. Alors, puis il y a eux comme ça là. On va voir!